Bonjour, je suis Robert de Botchan Mini-Canal et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter cette péniche fossilisée de 29 mètres de long. Commençons la visite intérieure par le test moteur. Nous avons là un Baudouin DK6 6 cylindres diesel de 150 chevaux à refroidissement indirect. Ici vous pouvez voir le puissant chauffe-eau Hortley de 25 kW qui assure l'eau chaude et le chauffage à bord. Le moteur a été reconstruit en 1989 par l'ancien propriétaire marinier. Le système électrique du bateau a été refait en 2003. L'eau de refroidissement s'écoule normalement. Commençons maintenant la visite intérieure en entrant par la timonerie. Ici, la hauteur sous plafond est de 1,89 m. Ici, une descente nous mène à la cabine arrière du marinier qui est restée d'origine avec une hauteur sous plafond de 1,91 m. À tribord et à bâbord, deux lits de 200 par 120, mais aussi de nombreux rangements et un petit coin bureau. Une cabine idéale pour faire découvrir à vos invités l'atmosphère typique des péniches fraissinées d'époque. En revenant par la timonerie vers la proue, à bâbord, un escalier nous mène à la cuisine de bateau. Ici, une hauteur sous plafond de 2,27 m. Elle est équipée de 4 feux à gaz, d'un réfrigérateur 220 volts, dévié, d'une haute aspirante, mais aussi de 3 emplacements pour y installer lave-linge, lave-vaisselle ou sèche-linge. Dans cette cuisine, on a une table où l'on peut dîner à 5 et de nombreux rangements. Ici, un pratique accès à une pompe de cale, ce qui permet de vérifier facilement s'il y a de l'eau dans les fonds ou non. À tribord, dans cette même pièce, une première douche avec toilette à semi-broyeur. Ici, la hauteur sous plafond est de 2,20 m. Le bateau est équipé d'une station d'épuration Nautiflore 9 en 2000 d'environ 20 litres, mais aussi d'un bac à graisse de 200 litres. Un surpresseur maintient la pression de l'eau et évite de déclencher la pompe à eau à chaque fois qu'on utilise de l'eau. A savoir, le bateau est équipé d'une pompe qui aspire l'eau du canal et ainsi alimente les WC du bateau.
et permet aussi de laver le pont, ce qui est pratique pour économiser de l'eau. Ici le tableau électrique. Par ce hublot, vous pouvez voir arriver vos invités. Continuons vers la proue. Tout de suite, à tribord, il y a la seconde entrée du bateau, connectée à l'immense pièce à vivre de cette péniche. On a là des hauteurs sous plafond impressionnantes, de 2,85 m au plus haut et de 2,05 m au plus bas. Il est difficile de retranscrire l'impression d'espace qui se dégage de cette pièce par des photos. Je me suis senti comme dans un loft baigné de lumière grâce à ses 6 hublots et ses nombreux capots de pont. Chacun de ces hublots s'ouvre et peut être occulté par d'astucieux caches fabriqués par notre propriétaire, pratique pour avoir de l'intimité côté berge et une vue imprenable côté canal. Les capots de pont peuvent s'ouvrir, ce qui permet avec les hublots de ventiler efficacement le bateau et de rester au frais. L'eau chaude et le chauffage sont assurés par une chaudière Hortley qui alimente les 8 radiateurs du bateau et le ballon d'eau chaude de 160 litres. Vers la proue, ce couloir nous mène à un second WC à sanibroyeur à tribord avec une hauteur de 2,07 m sous plafond. Toujours en allant vers l'avant, à tribord et à bâbord, deux grandes cabines équipées de lits 200 par 140 avec des hauteurs sous plafond de 2,12 m. Je vous montre ici comment marche le système de cache qu'a installé notre propriétaire. Enfin, en revenant en arrière de quelques pas via le couloir, on trouve une grande salle de bain équipée d'une baignoire, ici 2,09 m de hauteur sous plafond.
Si vous êtes intéressé par cette péniche fraissinée de 28,80 m de long, n'hésitez pas à me contacter. Robin de Botched Midi Canals, j'attends de vos nouvelles.